Voilà une petite vidéo sur les délégués de classe. Alors, quels sont leurs rôles, comment ils sont élus, quelles vont être leurs fonctions en dehors de la classe, et aussi, qu'est-ce que le conseil de vie collégienne. Si vous avez aimé, appris quelque chose, mettez un like. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. N'hésitez pas à la partager. Allez, on va commencer par le rôle des délégués. Les élèves délégués vont représenter les autres élèves de la classe. Effectivement, ils vont être élus par des élèves pour porter leur parole, c'est-à-dire qu'ils vont servir de médiateurs entre ces élèves qui les ont élus et les autres personnels de l'éducation nationale. Ça peut être les professeurs, mais ça peut être l'administration aussi. Donc c'est eux qui vont faire circuler les informations et qui vont permettre à tous de communiquer le plus simplement du monde. Ils vont aussi représenter les élèves au conseil de classe. C'est un conseil où l'ensemble des personnes qui sont en rapport avec les élèves peuvent se réunir et discuter du travail, des problèmes pédagogiques ou externes qui peuvent avoir lieu et se rencontrer au sein du collège. C'est comme ça que les élèves délégués peuvent faire remonter l'information ou peuvent donner une information à l'élève. Vraiment, ils sont là pour faire circuler l'information. À savoir, certains élèves délégués de classe pourront être élus pour être au conseil d'administration. Ils porteront encore la voix des élèves, notamment pour dire comment fonctionne l'établissement et ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Alors voyons maintenant comment ces délégués de classe vont être élus. Prenons quelques secondes pour parler des idées reçues. Un délégué n'est pas un avocat, c'est pas quelqu'un qui est obligé de balancer tout ce qui se passe, c'est pas non plus quelqu'un qui représente uniquement ses copains. Il faut bien imaginer qu'il faudra représenter tout le monde et porter la parole de tout le monde. Les délégués ne sont pas là pour défendre, ils sont là pour faire circuler l'information. Ne vous trompez pas quand vous choisissez qui vous allez élire. Pour se présenter, n'importe quelle personne qui est sur la liste de classe peut être délégué de la classe. Il faut qu'il se présente avec un suppléant, c'est-à-dire une personne qui pourra le remplacer si jamais le délégué élu est malade ou absent. En tout cas, quand on vote pour quelqu'un, on vote pour le délégué et le suppléant en même temps, les deux noms sont indissociables. Ce délégué devra faire une profession de foi, c'est-à-dire un courrier dans lequel il présentera les aspects qui font que lui est un bon délégué. Attention, dans une profession de foi, on n'attaque pas les autres, on présente ses points positifs à soi. C'est aussi l'occasion de découvrir un peu ce qu'est délégué, parce que des fois, on en a une mauvaise idée. Pour ceux qui choisissent des délégués, faites attention de choisir et d'élire des personnes qui seront fiables. Il ne faudra pas se plaindre si votre délégué ou votre suppléant ne vont jamais au conseil de classe, ou s'ils n'osent jamais rien dire, ou si vous n'avez aucune information. C'est vous qui décidez de vos délégués, c'est vous qui devrez donc subir les conséquences d'un choix que vous avez fait. Une fois que les listes sont établies et que les professions de foi ont été données, il y aura une petite semaine pour se présenter, et même en vie de classe, il est possible que le professeur principal vous demande de vous présenter à l'oral et de faire entre guillemets une petite campagne pour découvrir ce que peut être la vie démocratique. Enfin, il y aura un scrutin, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où les personnes pourront voter, choisir un bulletin de vote et voter normalement à bulletin secret pour pouvoir choisir leur délégué. Toujours la même chose, on prend un bulletin, il y a le nom du délégué et du suppléant. Cette élection se fait au scrutin uninominal à majorité. C'est-à-dire que si un élève et son suppléant obtiennent la majorité des voix plus une lors du premier tour, il sera élu suppléant. Si jamais ce n'est pas le cas et que personne n'arrive à se départager, il aura un second tour et dans ce cas-là, la personne qui a le plus de voix sera déléguée ainsi que la deuxième qui aura le plus de voix. Si jamais il y a égalité entre deux personnes, c'est le candidat le plus jeune qui l'emporte. Oui, le plus jeune, ça paraît bizarre, c'est la règle, c'est la loi. Je vous mets de toute façon tous les textes officiels en description dans le lien si vous êtes un peu curieux. Oui, parce qu'il y a des textes officiels, des lois, des bulletins officiels qui régissent l'action de délégué. Oui, c'est pas juste quelque chose comme ça pour faire joli. Ça a une réelle implication, notamment en découverte de ce qu'est la démocratie et comment fonctionne un vote. Une fois élu, le délégué et le suppléant prennent tout de suite fonction, ils se font connaître soit auprès des professeurs, soit le professeur principal fait passer l'information pour dire qui a été élu. Il y aura un procès-verbal d'élection pour qu'on puisse vérifier et contester si jamais il y a une erreur dans les comptes. Une fois que ces élections sont faites, les délégués auront une formation de délégués, ils auront aussi à élire ceux qui iront au conseil d'administration, ce sera en quelque sorte les délégués des délégués. Là aussi, c'est ce qu'on appelle une élection par grand électeur, mais ça vous le verrez en EMC, mieux que dans cette vidéo. Il faut savoir qu'il ne faut pas confondre ce rôle avec l'éco-délégué de la classe, obligatoire depuis 2019. J'en parle dans une autre vidéo, vous verrez le lien bientôt par ici. Le conseil de vie collégienne est un conseil qui va faire des propositions pour l'organisation de la scolarité, pour l'organisation du temps scolaire, mais aussi qui va proposer de modifier le projet d'établissement, ce projet qui contient toutes les règles et tous les projets de l'établissement pour amener les élèves à la réussite, bien évidemment, et il va aussi avoir un avis et des recommandations à donner sur l'équipement du collège, aussi bien l'équipement pédagogique
que l'équipement dans la cantine, par exemple. La mise en place de ce conseil de vie collégienne est obligatoire dans tous les collèges et c'est le conseil d'administration qui décide comment il se réunit et comment il est élu, entre guillemets. En effet, pour les représentants d'élèves, on peut les décider de les choisir parmi les délégués élèves, ils peuvent être élus parmi l'ensemble des élèves, ils peuvent être choisis même, ou ils peuvent être tirés au sort. Toujours est-il que ce conseil de vie collégienne est très important puisque c'est lui qui va faire des propositions concrètes pour pouvoir modifier, moduler, améliorer la vie du collège. Propositions qui seront observées au conseil d'administration et le chef d'établissement est le garant que ces propositions auront une réponse. Car oui, une proposition sans réponse n'est pas valable. Ça sera donc aux élèves de s'emparer de cet élément pour pouvoir faire vivre leur collège et proposer des éléments qui leur semblent pertinents. Donc vous le voyez, la vie d'un délégué ne consiste pas juste à venir à une réunion de temps en temps sans rien avoir à dire, c'est vraiment quelqu'un qui devra être médiateur, qui devra faire circuler l'information et qui pourra être force de proposition pour modifier le collège pour que tout le monde puisse y vivre le mieux possible. C'est aussi l'occasion pour tous les électeurs d'éprouver ce qu'est qu'un sentiment démocratique pour choisir ses représentants et de voir les conséquences de ces choix s'appliquer au jour le jour. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez appris quelque chose et que surtout, ça vous a donné envie d'être délégué. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne élection.